Allez, ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo dans le calme, en forêt, pour mettre en garde certaines personnes qui font des vidéos contre moi, des vidéos diffamatoires qui parlent de ma vie privée, qui parlent de ma famille, qui dénigrent des choses qui ne sont pas vraies ou qui disent des choses qui sont vraies. Je serai sans pitié par rapport à ça. Vous avez le droit de critiquer mon travail en tant que le paranormal 24, critiquer une vidéo qui vous plaît pas, sans souci, crier au fake, machin, etc., il n'y a pas de problème. Mais là, vous n'avez pas le droit, c'est de passer la barrière de ma vie privée. Et là, je serai sans pitié. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, une personne a sorti dernièrement une vidéo contre moi, dénigrant certaines choses, me diffamant sur certaines choses aussi de ma vie privée, en disant des choses qui étaient fausses et en disant aussi des choses qui étaient vraies, hein, je nie pas certaines choses. Et cette personne, j'ai contacté mon avocat, nous avons déposé plainte contre cette personne a été obligée de retirer sa vidéo YouTube et cette plainte va être appuyée de nouveau par mon avocat et on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les personnes, des bunkers, tout ça, qui veulent faire des vidéos, aucun souci. Vous faites des vidéos sur mes enquêtes, ça me gêne pas du tout. Hein. Je vais vous dire, c'est un peu le jeu, quoi. Hein. Je veux dire, je mets des vidéos, ça plaît ou ça plaît pas. Je comprends que des fois ça puisse pas plaire et que les gens ont envie d'argumenter, dire bah moi je pointe du doigt, je pense que c'est du fake ce que fait le paranormal 24, mais n'allez pas trop loin dans vos vidéos, c'est-à-dire évitez les insultes, hein, me traiter de fiotte, machin, c'est fatigant, hein, moi je vous insulte pas. Ne rentrez surtout pas dans ma vie privée. Comme je vous dis, je serai tout catégorique dessus, mon avocat est prévenu, il a un dossier. Je commence aussi à prendre certaines captures de messages que je reçois, de menaces en ma personne. Faites par des personnes sur Facebook, je prends leur adresse IP ainsi que leur nom et tout est sur clé USB bien sûr et je le donne et je le verse au dossier que tient mon avocat actuellement. Donc voilà, toutes ces menaces, genre on menace sur ma vie privée, sur ma femme, etc. Je vais devoir prendre des calmants, la personne se reconnaîtra, toutes ces choses-là sont mises sous clé USB, capture d'écran, machin, je ne réponds pas, je bloque la personne par la suite. Et c'est glissé dans le dossier de mon avocat. Et petit à petit, nous porterons plainte à des gens qui continuent à marceler à ce niveau-là. Que les gens me contactent parce qu'ils trouvent que je fais du fake, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que je n'aurai pas le temps de vous répondre. J'ai déjà du mal à répondre à aux propres gens que j'aime et qui me suivent sur Internet, qui suivent mes vidéos. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie que je peux pas répondre à tout le monde, sinon je passerai mon temps à répondre aux messages, etc. Donc c'est pas pour répondre aux débunkers, aux gens qui veulent nuire à mon travail. Moi je les laisse faire leur boulot aussi, ils veulent faire des vidéos contre moi, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous le dis, ça reste dans le cadre du paranormal 24 et ça reste dans le cadre juste de mes investigations et ça ne déborde pas au-dessus. C'est-à-dire telle vidéo, on critique telle vidéo, on ne critique pas le personnage en lui-même, c'est-à-dire David Garcia et sa famille. On le laisse de côté tout ça, d'accord? Moi je fais cette vidéo pour prévenir ces gens-là. Je serai catégorique. Prochaine vidéo, prochain article qui sort sur Internet, sur moi, me diffamant, parlant en mal de ma vie privée, parlant de ma famille, de mes enfants, de pas mal de choses, je serai catégorique. Il aura une plainte au cul et mon avocat appuiera la plainte pour que ça aille vraiment jusqu'au bout. Attention, je suis pas en train de vous interdire de faire des vidéos contre la personne, le paranormal 24. Vous pouvez critiquer mes vidéos. Tiens, telle vidéo, je pense qu'il a un fil de pêche et qu'il tire dessus. Je m'en fiche complètement, je m'en fiche de toute façon. Je ne regarde pas vos vidéos de débunkers. Vous pouvez penser ce que vous voulez, moi je sais qui je suis et ce que je vaux. Et donc voilà, donc moi ça ne me dérange pas, vous pouvez me diffamer dans des vidéos qui parlent de mes sujets à moi en tant que vidéo, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous passez la barrière de ma vie privée, ça va plus. Donc là je serai intransigeant. Je me suis laissé faire il y a des années de ça,
et ça a pourri pas mal de choses dans ma vie, d'accord? Donc aujourd'hui, je mets à l'abri ma famille, ma femme, mes enfants, je mets à l'abri aussi. Je ne me laisserai plus marcher sur les pieds par vous. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des affirmations. Comme je vous dis, mon avocat, le dossier en main, prochaine vidéo qui sort sur moi et sur ma vie privée, capture d'écran, enfin, je copie la vidéo, ça va dans une clé USB, on dépose une plainte, machin, on a l'adresse IP, l'adresse de la personne, etc. par la suite, et on dépose plainte. On déposera plainte aussi pour les gens qui ont donné des informations à ce débunker-là. Le débunker nous dira, telle personne nous a donné des informations, il y aura une plainte de déposer contre ces personnes-là. Voilà, c'est tout. Maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez faire des vidéos sur moi. Qu'elles soient en bien, bah, je serais très content qu'elles soient en bien. Qu'elles soient en mal, bah, tant pis, du moment que ça concerne que mes vidéos en tant qu'enquêteur, tout simplement, et que ça ne concerne pas autre chose, que ça ne concerne pas ma vie privée. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'est pas une déclaration de guerre, ça n'a rien à voir, c'est une protection envers ma famille et moi-même. J'ai trop souffert de tout ça, comme vous l'avez constaté, pendant un an et demi, je n'ai plus rien fait. Je souffre énormément de beaucoup de choses, et dont ces harcèlements-là. Donc à partir de maintenant, je passe à la vitesse supérieure si on m'ennuie. Voilà, tout simplement. Quant aux gens qui m'aiment et qui me suivent, eh ben, vendredi, si tout va bien et que l'analyse et le montage est terminé, vous aurez un nouveau lieu hanté. Et qui est très très bon, vous allez adorer. J'aime beaucoup cette investigation, puisqu'elle se finit par une belle chose, vous verrez par vous-même. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et je vous dis à très vite, pour vendredi, si l'épisode est terminé et uploadé.